l'équilibre alimentaire, c'est n'importe quoi. Hein. Tu tombes malade, il n'y a pas de temps. Déjà, le meilleur exemple, je l'ai. Je continue que je voyais pour en parler quand je parlais du loto tout à l'heure. Le meilleur exemple, regarde, un riche gagne 800 000 pour le loto. Il place l'économie. Maintenant, un pauvre gagne 800 000 pour le loto. Il bouffe tout le pognon en 2 ans et après, il se suicide. C'est pour ça que moi, je dis, quand on n'a pas les moyens d'être riche, on joue pas au loto et puis c'est tout. Qui voit une Ferrari, dire comment t'as combien dans l'ordre du 320, dis qu'est-ce qu'on va te passer. C'est pas le même, c'est pas ça.
petit miracle, tac, je leur donnais la vie à toutes les statues. Alors là, elles tapent sur toutes les statues, toutes les statues qui se prennent bien court dans les buissons. Il y a deux gens à 5 minutes, en plus, ils ont pas remonté sur le sol. Ça lui était pas dit, oh, qu'est-ce que j'avais dit. Elle s'approche d'un buisson, elle va s'armer dans un buisson, tout ça, elle garde les manches, et là, il y a une statue qui dit à l'autre, allez, maintenant c'est ton tour de tenir le pigeon, c'est moi qui chie dessus maintenant. C'est Placido Domingo, qui rencontre Pavarotti. Je dis, ça va, j'ai joué à Milan, la semaine dernière, 450 000 personnes. Et mon nom, le concert, puis il chantait, il y a une statue de la Vierge, elle a fini à pleurer. Les larmes sortaient de la pierre. Tout le monde à genoux, bien accroché. Il est 45 ans. Des fois, je dis, bah, moi, j'ai joué à Rio, là, il y a 3 jours, 850 000 personnes, 82 après. Et à un moment, j'hésite, c'est les seuls à croire à la montagne, hein, et les seuls d'où. À pied. Je sais pas si le concert lui plaisait ou quoi.